Dirasat nas, une épicerie à la Kasba. Je lis et je comprends. Aqra wa afham. Je regarde l'image, ushahid soura, puis je lis. Thumma aqra. Nous avons cette image. Indana hadhihi soura. Mada yujad fiha? Nous avons un garçon. Un garçon. Tifl aw walad. Nous avons une épicerie. Une épicerie. Et nous avons ici une femme qui porte le hayek. Voilà, un hayek, c'est ça. Nous avons des escaliers et tout. C'est la kasba, bien sûr. C'est la kasba. Donc, هنا لدينا هذا النص. قبل أن نقرأه يجب أن نتعرف على هذه الكلمة. النص. ماذا يسمى النص؟ يسمى le texte. العنوان يسمى le titre. وهذا المصدر الذي فيه اسم الكاتب والكتاب الذي اشتقينا منه هذا النص والسنة التي أخرج فيها وغير ذلك ومن أين صدر يعني la maison d'édition وغيرها نسميها la source المصدر voilà. لدينا هنا النص عبارة عن جمل والجملة تبدأ الجملة نسميها فخاز وتبدأ بماجسكول وتنتهي ب نقطة إذن الجملة الأولى من هنا إلى هنا والسطر يسمى une ligne voilà. نبدأ الآن في القراءة le titre une épicerie à la Kasba épicerie في القصبة il y avait à une cinquantaine de mètres de la maison كان يوجد على بعد 50 متر من المنزل une épicerie jamais vue dans les quartiers d'Alger. كان يوجد ماذا؟ une épicerie jamais لم يشاهد مثلها من قبل في أحياء العاصمة الجزائر العاصمة. L'épicier s'appelait Manu. Alors l'épicier هو ذلك الشخص الذي يعمل في l'épicerie. D'accord, ouais, l'épicier s'appelait ismuhu Manu. Manu. Chez Manu, inda Manu, on trouvait des montagnes de café en grains. Alors, on trouvait, madanajid. جبال من القهوة des montagnes de café en grain الحب يعني حبات des pains de sucre خبز السكر de piment rouge الفلفل الأحمر de sel الملح de raisin sec الزبيب وهو العنب الجاف des tomates séchées إذن الطماطم المجففة dans les bocaux des olives et des pois chiches marinés إذن في بعض les bocaux هو جمع un bocal وهي قارورات أو يمكن أن نسميها قارورة إذن des olives يوجد زيتون و des pois chiches وهي الحمص qui mariné à l'entrée du magasin في مدخل المغازان وهو الحانوت Un espace réservé au pain rond auquel on donnait le nom de خبز. Alors, في مدخل الحانوت أو المحل يوجد مكان مخصص un espace réservé au pain rond للخبز الدائري الذي كنا نسميه ماذا؟ خبز. Alors, auquel on donnait le nom de خبز. J'en garde encore le goût dans ma bouche. لازلت أحتفظ بنكهته
في famille. Tellement ce pain était bon. Tellement كان طيبا جدا. Alors c'est ça le texte. Alors نعاودو نقراوه بدون شرح. Une épicerie اقرأوا معي جيدا. اقرأوا معي واعيدوا القراءة. يلا نقرأ معا. Une épicerie à la Casbah. Il y avait à une cinquantaine de mètres de la maison une épicerie jamais vue dans les quartiers d'Alger. L'épicier s'appelait Mano. Chez Mano, on trouvait des montagnes de café en grains, des pains de sucre, de tomates, pardon, de piment rouge, de sel, de raisin sec, des tomates séchées. Dans les bocaux, des olives et des pois chiches marinés. À l'entrée du magasin, un espace réservé au pain rond auquel on donnait le nom de Khoubs. J'en garde encore le goût dans ma bouche, tellement ce pain était bon. Voilà, ça c'est le 1. Alors, 2, on va voir la question. 2. Je relis le texte, puis j'écris sur ma octobre vrai, sahih ou faux. L'épicerie est à 10 mètres de la maison. L'épicerie تتواجد على بعد 10 أمتار من المنزل. صحيح أو خطأ؟ صحيح أو خطأ؟ خطأ, c'est faux. Vrai ou faux? C'est faux. Très bien. Alors, قالونا à une cinquantaine de mètres. وهي في السطر الأول. إذا نكتب هنا faux. L'épicier s'appelle Manu. Oui, c'est vrai, très bien. Sahih, l'épicier s'appelle Manu. 3. C'est une épicerie à la Casbah d'Alger. C'est une épicerie, had l'épicerie, تتواجد في la Casbah d'Alger. عصابة الجزائر العاصمة. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai. Sahih, la Casbah d'Alger. Et voilà, 3, je recopie les phrases du texte pour répondre à la question. Anqul al-jumal min al-nas lil-ijaba ala al-su'al. Aina huwa su'al? Ha huwa su'al. Quels sont les produits de l'épicerie? Mahia, les produits de l'épicerie. Les produits, yani al-mantujata, hadik l'épicerie, pardon. Donc, la dainahuna, sucre, pois chiche. Nous avons ici quoi? Khobz, c'est ça le khobz, le des baguettes. Alors, khobz, pardon, alors khobz, c'est le pain rond, daeri. Hada, c'est des baguettes. Ça, c'est les raisins secs. Et dan, l'inab al-mujaffaf. Ça, c'est les tomates séchées, tomates al-mujaffafa. Nous avons aussi ces produits. Alors, quels sont les produits de l'épicerie? Maria, l'épicerie. Donc, nous avons, on trouvait des montagnes de café. Un café? Ça. Et là, hadahua, awel, produit. C'est ça. Thumma, on trouvait aussi pardon, de piments rouges. Oui, le piment rouge, c'est ça. Piment rouge, al-foulfoul, al-ahmar. De sel, idan, le sel, le sucre, idan,
Des tomates séchées. Des tomates séchées. Alors, de raisins secs. De raisins secs. Des olives. Des olives et des pois chiches marinés. Mada Aydan, à l'entrée du magasin, un espace réservé au pain rond. Au pain rond. Un khobz da'eri auquel on donnait le nom de khobz. Voilà, c'est ça. D'accord? Très bien. 4. Comment appelle-t-on une épicerie dans mon quartier? Kayfa nusammi l'épicerie fi hayyina. Nous sommes un marché ou une alimentation générale. Une alimentation générale ou bien une boucherie. Alors, marché, houa souk, alimentation générale, hiya, mawadrida et une boucherie, hiya, ladiya bi'a, aina. Voilà. Donc, une alimentation générale, c'est la bonne réponse. El jawab as-sahih. J'écris un texte pour décrire une épicerie proche de ma maison. Aktob nas pour décrire les asef une épicerie al qariba min manzilina. Wa huna taktubu utrukuli fi at-ta'liqat wasfakum.